Hey, yo tout le monde, c'est Nutsitoff, on se retrouve pour ce 36e épisode de Pokémon Ruby Omega. J'espère que vous allez toujours bien et surtout, bonne année 2015. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne année 2015, qu'elle soit faite de joie, de bonheur, mais aussi d'amitié, de santé et bien sûr de découvertes, de rencontres. Tout ce qui peut vous apporter joie et bonne humeur. En tout cas, personnellement, je suis heureux que vous soyez toujours là en cette année 2015. Et voilà. C'est tout ce qu'on avait ici. D'accord. Bah voilà. Bon, je vous rappelle qu'on était à l'épave dans le précédent épisode. Et qu'on avait voulu descendre juste pour voir. Bah écoutez, visiblement. Voilà. Alors, je voudrais retourner juste à un endroit. Parce que je me suis dit, après une petite réflexion, que peut-être ça aurait pu être intéressant de faire ça, c'est-à-dire d'utiliser le cherche-objet. Alors, il peut, pour éventuellement trouver une clé de voûte ou quelque chose dans le genre, puisque le mec parlait de la clé de voûte. Donc, je vais utiliser le cherche-objet. Voilà, tout simplement. Et voilà, je l'utilise. Est-ce que quand on change de lieu... Non, il se laisse, ok. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Bon, visiblement, le cherche-objet réagit pas du tout. Ça va aller assez vite, hein, ça va aller assez vite. Voilà, on se met comme ça. Poum. Très bien. J'ai surtout envie d'aller regarder le cherche-objet par ici. Hein, vous avez vu, dans le présent épisode, on avait eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'objets un petit peu étonnants. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, c'est même cool. On va juste se re-rendre dans la caverne d'Ali Baba, entre guillemets. Puisque je pense que ça peut être une bonne chose de scanner un petit peu au cherche-objet ce qu'il peut éventuellement y avoir ici. On l'enregistre, du coup, ce sera plus simple de l'utiliser. Non. Voilà. Je regarde, hein, si on n'a pas manqué quelque chose. Visiblement, on n'a rien manqué du tout. Bon. Très bien. Je me faisais des idées. Bah écoutez, c'est très bien. On va pouvoir rentrer tranquillement ici. Bah on va utiliser... On va utiliser la Flûtéon. On va utiliser la Flûtéon, allez. Tac, Flûtéon. Très bien. Méga Latios, qui est classe, hein. Qui est classe, mais qui fait vraiment Latios Airline, quoi. Et moi, je voulais qu'on se rende à Clémentiville. Et Clémentiville, c'est par ici. Voilà. On atterrit à Clémentiville. Vous vous demandez pourquoi on va faire, hein, pourquoi on va faire ça. Et puis, c'est pas anodin si j'ai voulu voler avec le Latios et non pas Elidel, hein. Vous verrez pourquoi. Mais c'est pas anodin, du moins pour cet épisode-là. En tout cas. Tiens, et si on allait voir juste comme ça notre papa? Dis donc, tu n'oublies pas de rendre visite à ta mère de temps à autre, hein? Moi, je reste ici, je dois reprendre mon entraînement à zéro. Je ne peux pas sérieusement me prétendre bon dresseur après avoir perdu contre toi, pas vrai? Eh, mais c'est un Passéon! Cela fait bien une dizaine d'années que je n'en ai pas vu. Le Passéon est la clé qui permet de se rendre sur l'île du Sud. Il est réservé aux dresseurs possédant un lien assez fort avec leur Pokémon pour pouvoir faire appel à la méga évolution. Mais que vois-je à ton poignet? C'est un méga bracelet, cela prouve que tu es capable d'utiliser la méga évolution. Parfait, viens avec moi. Ferry en direction de Nenucric. Mais ce ticket... C'est donc toi qui est en possession... Qui est... Tu... Qui est... Ouais, c'est donc toi qui est en possession... du ticket. C'est bizarre. C'est donc toi qui es. Je me demande si on met pas EST. Parce qu'on dit tu es, mais c'est toi qui es. Ça fait comme si on disait c'est un chat qui est. Je sais pas. Dont tout le monde parle. Tu veux donc te rendre sur l'îlot mystérieux qui se trouve à l'extrême sud? Personne ne sait ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas passionnant? Mon sang de marin est en ébullition. Allez, on embarque. Je t'attends ici. Prends garde à toi, Enti. Et bonne chance.
On se demande ce qui s'y trame là-bas. Hoé Moussaillon, on est à bon port, l'île du Sud. Si tu veux quitter l'île, fais-moi signe, je t'attends ici. Vous vous rappelez de cette île, hein? C'était l'île de Latios, enfin de Latias, de Latios. Et regardez qui voilà. Salut! Comment tu vas? Tias! C'est très le combat! Oh magnifique! Trop joli! Alors j'aimerais pas le mettre KO, il est que niveau 30, hein, c'est pas beaucoup. On va envoyer Espoir. Espoir qui n'est que niveau 40 et qui du coup fera probablement moins mal. On réduit son attaque, ça c'est cool. Draco souffle. Pas grave. Ok. J'ai envie de partir sur un... Sur un force. Évite de le tuer. Évite de le tuer, ce serait cool. Super. On va en tenter un deuxième. Ne fais surtout pas de coup critique. Bédou! Mec, tu l'as mis KO! T'as mis KO là, Thias? Latias regarde Enti fixement. OMG, XP gratuit! XP gratuit! OMG! Date XP gratuit! OMG! On peut avoir de l'XP gratuitement! Énorme! Énorme, amazing! Ah bah on va s'amuser! Ah bon, on l'a gelé! Ah bah là, il est parfait pour être capturé en tout cas. Bon, écoutez, on le capture. Hein. Allez, c'est un Latias femelle, hein, ce qui est totalement normal. Du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser contre lui? Lux Ball, non. Scuba Ball, non. Faible Ball, elle est de quelle couleur? Elle est verte, c'est pas très joli. Honor Ball. Honor Ball, elle ressemble un peu à Latias, hein. Allez, on va essayer dans une Honor Ball. Eh non, il veut pas. Hein. Il est gelé, il peut pas attaquer. Bon, on va essayer dans une Pokéball alors. Ok, il veut pas. Il est plus gelé. Alors ça, c'est pas drôle. Bon, tant pis. On va utiliser une petite Hyper Ball. Méchant. Ah le méchant quand même. Ah, je pensais pas, hein. Je pensais pas que tu serais méchant comme ça, Latias. Mec, aucun respect. Hein. Mec, j'aime pas trop ça. Hein. J'aime pas trop quand tu fais ça. Hein. Allez, Hyper Ball. On croise les dents. Ah! À chaque fois, je ferai un cri. À chaque fois, je ferai un cri. Tu vas être rattrapé à la Pokéball, c'est ça. Méchant. Mais... Oh, faut se calmer là, Latios. Latias. Qui que tu sois. Qui que tu sois. C'est pas parce que t'es dans un soi-disant monde de rêve, là, que tu peux te permettre de... Oh là 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 là, j'ai pas envie. Oh. Et ben voilà, ben maintenant ce sera des Pokéballs. Ça va être des Pokéballs contre toi. Des Pokéballs, des simples Pokéballs. De toute façon, je peux pas t'enlever plus.
Donc du coup, vu que je peux pas t'enlever plus, bah, à faire avec. Hein. Hey, c'est intéressant, hein. Je lui lançais des Pokéballs dans la face, je lui disais, hey, oh, fais pas ton salaud. Moi, tout ce que je voulais, c'était le capturer. Je lui disais, hey, oh, faites pas ton salaud. Mais même étant gelé. Attends. Mais même paralysé. Putain, je me rappelle plus des paroles de mes propres parodies. Mais même paralysé. Ah oui. Mais même étant gelé, il a pas voulu rentrer. Avec un PV, il voulait s'échapper. Il s'appelle Latias. Et je vais le trucider. Même si ça fait du tort, je vais finir par l'achever. Au pire, si je l'achève, c'est pas très très grave, hein, disons-le. Hein. Disons-le. Ah bah oui, ah bah tu m'as paralysé. Eh bah oui, bah on s'amuse. On s'amuse, la grosse joie. Joie, amour, tendresse. J'aurais dû m'envoyer des aura capture, tu sais, depuis un autre. Ah bah c'est gentil ça. Ah bah merci. Un mec il me soigne. Pour que je le capture. Hein. Mec il est cool. Mec il est cool quoi. Eh bah voilà, il suffisait que je dise qu'il était cool. Et puis voilà, il rentre dans la Pokéball. Et ben voilà la tiasse. Les données de Latias sont ajoutées au Pokédex. Non, on donne pas de surnom à Latios. D'ailleurs, je me demande si on relâche Latios, est-ce que on utilise la Flutéon sur le dos de... Ah, une Roséam. Oh. Oh, la Roséam. Qu'est-ce que c'est que ça? Les rêves ne sont qu'une autre réalité. Et il ne faut pas l'oublier. Bien sûr que non, il ne faut pas l'oublier. Parce que si on l'oublie, c'est ainsi qu'on se perd. Est-ce qu'on snobe le marin? Est-ce qu'on tente de snober le marin? Regarde, en mode, hé, hey, je vais te parler. Ah, on peut pas. Ah d'accord, on peut pas demander la Flutéon sur l'île du Sud. Non, ce sera vraiment bizarre. Tu veux quitter l'île? Oui. Très bien. Largons les amarres. Déjà de retour, NT. Alors, tu as rencontré ce fameux Pokémon Éon? Tu as bien fait d'aller à l'île du Sud, dis-moi. Très bien, retournons à l'arène. Ta rencontre avec Latias est le fruit d'un miracle. Il ne faut pas la gâcher. Je compte sur ton équipe et toi pour continuer à nous montrer votre talent. Hey hey! On a capturé Latias. Bon, on est qu'à 14 minutes d'épisode, hein, donc c'est pas beaucoup beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on soit un petit peu plus détente et puis qu'on fasse un truc que vous m'avez demandé depuis pas mal de temps. C'est-à-dire les bases secrètes, puisque la base secrète, on l'avait faite dans un petit... Je sais plus ce que je voulais dire. À un moment précis, mais est-ce qu'on pourrait pas refaire des bases secrètes Touk, à partir de maintenant, ce serait sympa, enfin refaire une base secrète en tout cas. Alors on va voler à Simtronel, alors pourquoi à Simtronel pour une raison simple et facile, tout simplement parce que là-bas ils vendent des objets pour les bases secrètes et globalement c'est plutôt cool. Alors, on va passer par ici. Oh, quoique, on peut peut-être se trouver une base secrète par là, non? Attendez, je vais regarder. Parce que oui, c'est vrai que, finalement, peut-être par ici, ça peut être cool. On va voir. Est-ce qu'on peut se faire une base secrète par ici? Bon, elle sera pas très très secrète. Oui, voilà, juste ici. Allez, base secrète. Ah oui, mais j'ai pas de... Il me faut un Pokémon avec force cachée, là. Donc du coup on va regarder un Pokémon qui peut apprendre force cachée. Je pense que ça va se trouver dans notre PC. Hein. PC d'Annette. Ranger les boîtes. Tiens d'ailleurs.
On va en profiter peut-être pour reprendre Poupouille. Hein, Poupouille? Peut-être que Poupouille peut apprendre cette capacité. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas revu dans notre équipe. Bah écoutez, ça fera plaisir. Ça fera plaisir de le revoir. Allez, puissance cachée. Non, pas atterrissage, puissance cachée. Tout le monde peut l'apprendre, ça c'est cool. Allez, Poupouille, on t'apprend puissance cachée. C'était Non, c'est pas puissance cachée, c'est force cachée. C'est force cachée. Ne l'oublions pas, c'est force cachée, non pas puissance cachée. Bon, ça aussi, tout le monde peut l'apprendre. Les effets de cette attaque varient en fonction de l'environnement. Voilà. Oui. Et on veut lui faire oublier... bon, on va lui faire oublier téléport. Allez, enfin téléporte, comme vous voulez. Très bien. Et donc, on va pouvoir nous créer notre petite base secrète. De manière très sympathique. Non, on va juste ouvrir le truc. Vous avez trouvé un passage étroit. Vous devez construire... Voulez-vous déménager ici? Non. C'est vraiment trop petit, c'est vraiment trop petit là. Vraiment, je trouve que c'est de l'abus. Hein? Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le savoir. Il me semble qu'il y a de quoi se faire une base secrète là-bas. On va y aller. Eh, hey, attendez, on peut utiliser cascade. Oh, on va arriver où? Eh, hey, on n'est jamais allé ici. Oh, trop cool. Allez, on y va. Bon, alors c'était pas du tout prévu, hein. Bah, c'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on y va sur ces trucs-là? C'est pas avec le vélo de course, quand même. Quelque chose d'invisible bloque le passage. Oh, d'accord. Ok, le mec, il s'est dit... ok, d'accord, très bien. Non, mais ok, d'accord, ils ont mis un Kecléon, là. Eh ben moi qui voulais faire les bases secrètes, on va peut-être se trouver une base secrète, mais pas forcément la faire. On va juste être des gens... Ah bah tiens, attends, on va faire cascade. Notre puissance O va être boostée, donc carrément. Très bien. Superbe. Allez. Ah voilà, très bien. Ok, c'est comme ça qu'on passe. Tiens, il y a des dresseurs par là. Ok, ça nous permet d'aller ici. Très bien. Et on trouve la CT62 acrobatie. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Et par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, coucou toi. Joli bon, je ne pensais pas que c'était possible en vélo. Parce que toi tu as fait comment? Tu as fait à pied? Un super bonbon. Eh voilà, quand même. Ça valait pas rien par ici. Allez, utilisons force cachée par ici pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Eh, mais elle est grave cool. Mais il y a un trou. Non, on déménage pas ici. Mais en tout cas, elle était grave cool, hein, cette base-là. Et celle-ci... Oh ! Il a disparu ! Le mec a disparu. Le mec a disparu. Genre... Il y a plein de trous, hein.
Et je pense qu'on peut les rafistoler. Allez, on va prendre celle-là. En plus, ça fait une forme de... Est-ce qu'on peut rabibocher le sol? Genre mettre un tapis dessus, un truc dans le genre. Tapis. Ah merde, là il faut des trucs comme ça. Bon allez, on va mettre un tapis là, très bien. Non, ce que je voulais, c'était objet divers. Non, c'est après, hein. Appareil, dalle, piège. Je vais juste regarder un truc avec les dalles tournies, en fait. Ouais, ça s'utilise qu'une fois alors visiblement. Ok, très bien. C'est ce que je regardais. Touk, et si on revient dedans? Base de NT. Bah oui, je sais que c'est ma base. T'es grugouin! D'un cru d'une maman. Le mec, il a cru juste un maman. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Décorer la base. C'est quoi ça? Vous êtes ici. Ah, on peut changer l'endroit où on est. Genre, je peux me mettre là et comme ça fait chier tout le monde. Si je me mets là, personne pourra m'attaquer. Ok, et ça, c'est quoi? Tapis invitation. Sert à inviter les amis secrets. Ah, c'est ici qu'ils seront. Ok. Bon, on va les mettre là. Ils seront très bien. Attends. Ok, comme ça. J'essaie de comprendre un petit peu comment c'est. Voilà. Ah ouais, ils peuvent être que 5. Ah ouais. Ah ouais, eh ben dis donc. C'est pas ouf, 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 hein. Voilà. Bon. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des décorations murales. On a un truc pas très beau. Appareil luminaire. Une vieille lampe. Allez, on va la mettre par ici. Par ici. Paris Hilton. Décorations murales. Objets divers. Un lit douillet. Des barrières. Des escaliers. Des escaliers? Pourquoi des escaliers? À quoi sert-ce? Ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas poser cela ici. Ah, il peut y avoir des hauteurs dans les. Il peut y avoir des hauteurs dans les. Dans les bases secrètes. C'est grave cool. Lidouillet Pokéflûte. Waouh. Trop bien. Bureau, tapis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coussin, plante, poupée. On va aller voir si on n'a pas des trucs. Oui, elle me plaît, ouais. Super. Parfait. On va juste aller se rendre à Simtronel pour voir si on n'a pas des... Bon, avant ça, comme je sais que vous êtes beaucoup à me le demander, on va... On peut mettre Poupouille là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était vous montrer le QR code, puisque du coup, QR code... Partagez votre base secrète. Voilà. Voilà, vous êtes content. Vous avez mon QR code. Normalement, pour mettre à jour sa base secrète, il doit falloir se connecter à Internet, mais je pense que ça l'a fait tout seul. On va regarder. On va lancer la connexion Internet, comme ça au moins ce sera tranquille. Et on sait que le QR code se sera mis à jour. Si tout se passe bien. Il veut pas se connecter à Internet. Je n'ai pas envie de me connecter à Internet. Il n'y a pas des trucs... Vous me direz dans les commentaires. Les données... Bah non. Ah d'accord. Ok. Ok.
Il faut sauvegarder notre partie pour se connecter à internet, bien entendu. Je ne sauvegarde jamais en fait pendant la partie, enfin du moins j'évite au possible, parce que je me dis que si l'épisode foire, au moins je pourrais le retourner. Voilà, je préfère être transparent avec vous et être même totalement clair. Voilà, je préfère faire ça parce que au moins ça nous évite. Non, c'était par là-bas, hein, les repères des bases secrètes. Ça m'évite de vous faire un épisode où il se passe rien. Ou alors avec juste du son. S'il manque l'image, c'est chaud quand même. C'est... Alors c'est là qu'on peut acheter des trucs. Allez, allons-y. Barrière, huile, ballot de paille. Hautes herbes. Statue d'arène. Con, lidouillette, tapis brillant, tapis sauteur. Daltourni, R. Tapis sauteur, tapis brillant. Lidouillet. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Petit tabouret. Ouais, vous me direz s'il y a moyen de rafistoler le sol de la base secrète. Parce que c'est un petit peu chiant. Enfin voilà, vous me direz. Je pense qu'on va se quitter ici pour cet épisode. Et n'oubliez pas, demain soir, demain vendredi, à 20h, live de la Ligue Pokémon Ruby Omega sur Level Down. Le lien est dans la description. Le live débutera à 20h, je ne sais pas quand il terminera. La rediff sera sur YouTube. J'espère que vous serez nombreux. Encore une fois, moi je vous dis bonne année 2015 à tous. Et en attendant, n'hésitez pas à faire péter les pouces verts, les commentaires, les favoris, comme vous voulez. Et en attendant, à demain, j'espère que vous serez nombreux. N'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde.